Salut, bienvenue sur le live. Donc, comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va ouvrir mes récompenses Ivry Vol si fait champion. Je lance un peu tard, c'est vrai, j'en suis désolé, mais je pouvais pas faire autrement. Voilà tout. Donc, on va s'ouvrir ça rapidement. On va faire un petit truc d'une heure et tout, et puis on fera une petite rediff sur YouTube comme d'habitude. Bon, allez, on va commencer par les Rivals. Hein. Normalement, j'ai terminé rang 3. Ouais, c'est ça, c'est rang 3 de la Div 1, donc je joue plus à Rivals depuis de faire plus d'un mois que j'ai pas joué à Rivals, même 2 mois je dirais. Donc du coup on a quand même le rang 3 grâce au fut champ, donc on va ouvrir ça tranquillement. Pack à 35 000, pack à 50 000, c'est cool. Bah, des grosses notes, des trucs comme ça, c'est bien pour les futurs SBC. Et puis ça fait toujours plaisir de packer des petites cartes sympathiques. Allez, au premier pack du soir, bonsoir. Et c'est lent pour commencer, si on commence par une carte nominée Toti, si je me trompe pas. C'est soit Nomini Toti, soit c'est une carte UCL. C'est qui ça? Oh, c'est Harry Kane! Oh, UCL! C'est combien? 92! Waouh! Ouais, on commence avec du très très lourd, les mecs! Pas qu'à 35 000! On commence par du très 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 lourd, Harry Kane, mon pote! Franchement, je suis content de ouf! Pas qu'à 35! 92 de général, c'est ouf! Je vais jamais jouer, je vais le mettre dans un SBC, mais je suis content parce que ça économise max de crédit! Bon, non, c'est dégueulasse, mais on s'en fout, Harry Kane, c'est bien! Ça vaut, en vrai, ça vaut quoi? Ça vaut du 60 000. C'est lourd. On enchaîne, hein. On enchaîne, les amis. Un deuxième pack à 35 000. Nos pack. C'est parti. Deuxième pack. On a eu du lourd dans le premier. Pourquoi pas encore de la lenteur dans le second? Oui, de la lenteur. Et encore une carte spéciale. Je crois que cette fois-ci, c'est une carte UCL. Non? Si? C'est qui, ça? C'est Zelinski? Ah, c'est une carte Man of the Match UCL. 84. Ok. Ok, bah pourquoi pas après tout, hein. Moi je prends une petite, c'est des cartes spéciales dans les packs à 35 000, même si c'est beaucoup moins intéressant qu'Harry Kane en termes de notes, moi Zelinski ça me va. Hein. Oh, KR 85 derrière en Future Star, bah c'est bien ça, deux cartes spéciales dans le même pack les amis, bah je prends, hein. Je prends de ouf. Hein. En vrai KR il a une vraie vraie carte, hein. Je pense qu'au moment où il est sorti il devait être archi intéressant, bon c'est vrai que maintenant on s'en fout un peu de KR, hein. Mais vraie carte. Hein. Allez, let's go les amigos. On sait jamais. Oh, c'est lent. Et c'est encore une carte spéciale, c'est quoi ça? C'est quoi comme carte ça? Français, AD? Dembélé? Oh, c'est une carte UCL. Oh, c'est lourd les mecs. Dembélé UCL 87. Bon, il y a la version SBC qui est sortie maintenant en Summer Hits. Mais avant, c'était sa meilleure carte, Dembélé. Hein. Ouais, ça c'est lourd. Hein. Ça c'est très très lourd. Cru à canter, c'est vrai qu'on aurait pu avoir canté, mais je savais pas que c'était cette carte là. Et derrière, peut-être un petit boost de 84, beau pack à 50k. Il vaut cher, les mecs. Ah, il vaut 70k quand même, hein. Pour un joueur à 87 de général, c'est pas mal maintenant. Hein. Dernier pack des Rivals, pour l'instant, on a été gâté. Pourquoi pas terminer encore en beauté? Que des cartes spéciales à chaque pack. Est-ce que ça sera encore une fois cette fois-ci? Non, ok. Enfin, je l'ai trop parlé encore, j'aurais pas dû parler. Du coup, on chope qui en meilleur joueur? Mkhitaryan 81, c'est dur le pack. Bon allez, du coup on passe aux récompenses, hein, Futchamp. Putain, Elite, ça fait 3, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait Elite, 2 week-ends d'affilée qu'on n'avait pas fait Elite. Du coup on pack 70k, un pack à 100k, un pack avec 3 joueurs chaleur d'été. C'est la première fois que j'ai un pack chaleur d'été, hein. Parce que du coup la dernière fois quand j'ai fait Elite, c'était le deuxième week-end d'état de ultime. Et du coup entre temps bah j'en ai plus eu. Et du coup, on a des choix joueurs, on a 3, évidemment, c'est du Elite. 3, 2, 1. Allez, c'est parti pour le premier choix joueur. On peut avoir du tots là-dedans, on peut avoir du lourd. Oh, Rashford. Rashford, mais mec, c'est lourd. Rashford, c'est ultra lourd. Même Kimine J, j'aurais pris, hein, tu vois. Mais Rashford, c'est lourd, les mecs. Ouais, ça vaut combien, Rashford tots? Rashford, ça fait 270k, c'est lourd. C'est lourd de ouf. 5 étoiles geste technique, 3 étoiles mauvais pied. En fait, il aurait 4 étoiles mauvais pied, ça serait juste un des meilleurs joueurs du jeu, du très loin, quoi. Mais là, il a une carte quand même assez exceptionnelle. Hein. 3, 2, 1, c'est parti. Pose la manette. Ok, ok, ok. J'ai vu Mertens, je me suis dit, waouh. Mais Mertens, je crois qu'il a pas de tots. Bah, il a pas de tots Mertens, donc non. 89 Mertens, mais bon, il est en version 95 dans les SBC, donc ça me fait un peu chier de le prendre.
Herrera, c'est pas fou. Laetitia, c'est un tot, mais c'est pas fou. Michdo, c'est une belle carte, mais pareil, je vais pas le jouer. Par contre, Mariano, il m'a tellement bien plu, les gars. Il m'a tellement plu lors du fut champion que j'ai fait. Du coup, je vais prendre Mariano parce que je l'avais kiffé dans ce fut champion, je l'avais trouvé très très fort. Donc, partons sur l'arrière droit de Galatasaray, qui en plus de être la meilleure neutre, est pour moi le joueur le plus intéressant. 3, 2, 1. Je me recule avant. C'est parti. Le tour de chaise. Le tour de chaise qui nous donne Rafa. Rafa, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, Rafa. Bon, le reste est tellement éclaté que finalement, heureusement, on a Rafa. Hein. Double 4, grosse carte, grosse agilité, grosse endurance. Bon, il a zéro force, mais c'est vraiment intéressant. En vrai, en plus, il rentre dans ma team actuellement. Je pourrais le mettre dans ma team si je vois que Nani est pas ouf en tot. Je peux mettre Rafa. Donc, en vrai, je suis content. Ça vaut combien? Ouais, ça vaut pas si cher que ça, Rafa. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Non, Rafa, je l'avais. Ah, mais non, il est dans l'eau. 3, 2, 1, 0. C'est parti, c'est ouvert. J'aime bien faire des comptes à rebours, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais ça me fait kiffer. Allez, découvrons. C'est quoi ça? Oh, le pack à 100k a éclaté. On a un vieux boost dégueulasse. Nigeria buteur. Oh, ça pue la merde. Oh, c'est quoi ça? C'est Croton, je crois, le club. Simi. Ah, le pack bien dégueulasse, hein. Pack à 100k de glace. Ce sont les packs à 100k en ce moment, c'est très compliqué. Hein. Franchement, même avec les cartes spéciales, moi, c'est pas forcément dans les gros packs que je pack du jour. Hein. C'est compliqué. Mais bon, après, on a du lourd en carte rouge, donc voilà, ça va. Il nous faudrait encore du lourd en carte. C'est sérieux. Notre meilleur joueur, c'est un 82 de notes dans un pack à 100k. Allez, on a eu du lourd en rouge. Dans les Rivals, on a eu du lourd. Dans le pack 100k, rien. Mais ça nous réserve peut-être du lourd pour celui-ci. Allez, 3, 2, 1, 0. C'est parti, pack 3 joueurs chaleur d'été. Allez, s'il vous plaît, du lourd. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Brésil? MC? Ouh, c'est pas ouf ça. 94, Renato Augusto. Bon. Renato Augustin, en soi, on est d'accord que c'est pas ouf, hein, les mecs. Hein. Ça aurait été Paulinho, là, ça aurait été monstrueux. Mais par contre, ça s'est pas affiché. C'est pas comme ça, les animitos, d'habitude. Et je crois que depuis les Summer Hits, en fait, les packs comme ça, ils ont l'air à moitié buggés, en termes de couleurs des loupiottes. Mais ça aurait été Paulinho, ça aurait été archi lourd. Renato Augustin, on va pas se mentir, c'est pas ouf du tout. En tout cas, elle a une très belle carte, mais en termes de prix, ça doit rien valoir. Donc, on va voir derrière. Wow, c'est dur, il est dur ce pack. Wow, il est dur. 3 tots, après c'est bien, c'est des tots, hein. C'est les meilleures cartes impossibles de chaque joueur. Mais là c'est dur. Hein. Renato Augusto, c'est du 80k parce qu'il a 94. Kostic, ça vaut un peu plus, ça vaut quoi, 100k un peu plus cher. Et bah sur l'autre, ça doit valoir, ouais, ça vaut 60 000. Après c'est bien en termes de prix évidemment, enfin 50 même. Ça vaut cher parce que c'est des grosses notes, quoi, mais je m'attendais quand même un peu. Et là, on récupère quasiment 220 000. En tout, ça fait un fut champ à 300 000, quoi, c'est pas mal. Dernier pack, USB-C Growth Affiche. Pour l'instant, on n'a pas eu d'Akim. Ça va être maintenant, je le sens bien. Je sens bien le petit pack joueur rare. Je le sens bien. Oui, animation, oui, c'est ça qu'on veut. Animation boost, certes, mais animation. Spagna. MD, c'est qui? C'est Gérard Moreno. 87, c'est bien. Ah, oh, c'est bien. Le pack à 50 000 pour terminer, qui refait un petit peu là. Petit bon, bonne petite animation, boost 85. Derrière, oh, mais ce pack, les amis. Mais ce pack, pack à 50k, incroyable. Moreno, Jiménez, Fred. Allez, deuxième pack de joueurs 83+. C'est parti les amis, dernier pack de la soirée. On est sûr d'avoir de la lenteur, est-ce qu'on va avoir de l'anime? Oui, on va avoir de l'anime. Oui, on va avoir de l'anime. France! MG! Ah, c'est Coman 88! Ok, c'est vraiment bien! Dans un petit pack comme ça, c'est bien. Après, j'espère qu'il est pas invendable, parce que j'ai déjà un invendable Coman 88. Wesh!
Acerbi, mais c'est deux mecs que j'ai packé il y a. Acerbi, je l'ai mis dans SBC récemment, mais je l'ai packé aussi. Je l'ai packé aussi quand? Bah, cette semaine. La vie est faite de doublons, les amis. La vie est faite de doublons. Donc, la vie doit nous obliger à faire ce petit joueur Icon Prime, à valider ça, à mettre oui partout. Et c'est parti, les mecs. On va se l'ouvrir. C'est perdu. C'est parti. C'est perdu. C'est parti plutôt. Tour de chaise. Et le drapeau. Et le drapeau. France, je le sens bien. Oh non, putain. Au moins sans de chaise. Ouais, ça va encore, Sanchez. Après, il a 3 étoiles, donc ouais, sinon c'est pas ouf, en fait, c'est nul. Oh, les mecs, les packs icônes, c'est vraiment pas mon mood hein, en ce moment, c'est pas ouf. Hein. C'est dommage, hein, parce qu'il pouvait être intéressant dans les autres domaines, hein, il manque un peu d'endurance, mais bon, ça encore. C'est pas non plus le plus si important, mais voilà, quoi. Ça aurait pu se faire. Le petit Hugo Sanchez, il va repartir dans un SBC, hein. Bon voilà, c'était sympa. Merci à tous en tout cas d'avoir été présents. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu pour ceux qui sont YouTube. Puis à la prochaine. Bisous les familles.